Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, on s'attaque à la Daily Race B sur Red Bull pour 5 tours GR3. J'ai continué de prendre la Mercedes parce que j'étais un peu frustré par rapport à la course précédente où j'ai fait des erreurs et je finis 13e, la position que je démarre 13e. Donc du coup, là, on va essayer de faire mieux. Là, ce sera la dernière que je fais sur ce circuit et ensuite, j'essaierai de faire une autre course, mais... voilà, c'est chaud. Là, je pars. Alors, je pars plus haut, apparemment. Je pars. Il y a encore Dudu qui est là. Je pars 11e. Il y a Evil qui est là également. Celui avec la NSX. Qui est 12e. Dudu est 9e. Et il n'y a pas que Devil Kimi. Pourquoi je dis ça? Kimi Velocini. Il est pas là. Donc, ça, c'est un bon point. Je me demande s'il est encore là d'ailleurs. Donc. Voilà, on va essayer sur cette course de pas faire d'erreur, de bien rouler. Après, je sais pas quoi dire d'autre de plus. C'est, ça va être une course difficile parce que la Mercedes n'est pas. Il y en a un, il me dit PRST min figure. Ça veut dire quoi ça? Regardez. S'il y a quelqu'un qui sait. Ça veut dire quoi? Merde, trop tard. Bon, bah, désolé. Min figure. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. C'est quelqu'un qui sait. Bon, allez. Devant moi, Slim Derule, l'anglais. Bah, c'est pareil que la grille précédente, que la course précédente. D'un mois, Evil. Mettez le son dans les oreilles pour être en immersion. Ça va être chaud, surtout que la Mercedes n'est pas. Vous voyez? Et rester minfigure. Ça veut dire quoi ça? C'est une ma gueule ou peu? Allez, on y va. J'ai pas fait d'erreur là. Ah. Merde. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Sorry. Oh merde, je suis désolé mec. Putain, mais c'était le bordel là. Oh putain. Ouais, j'ai fait le con. Hein. Clairement, c'est moi, j'ai fait vraiment le con. Hein. Oh, mais je suis un imbécile, hein, sérieux, putain.
gars à l'arrière. C'est moi ou c'est le... Il a tenté, hein. C'est bien, le Portugais était patient. Bah, t'es quel autre anglais à mon avis. Bon, bah voilà quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Pour YouTube, bon, bah, bis repetita, je démarre 11e, je finis 11e, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur cette course. Je vous laisse juge sur voilà, certaines situations. Alors, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est pas de ma faute? Voilà. Par contre, le système de pénalité ou transparent ou quoi que ce soit, sur cette piste, il faut qu'ils le mettent ailleurs. Parce que quand tu as 5 dixièmes de pénalité, 5 centièmes de pénalité,
Eh ben, tu perds quasi rien parce que moi, j'ai voulu justement doubler. J'ai tardé mon freinage et voilà, j'ai foiré le truc. Mais l'autre, il reprenait de la vitesse tout de suite, quoi. Alors qu'il avait ralenti. En fait, cette zone de pénalité, pour moi, elle est très mal faite. Elle devrait pas être là, en fait, justement. Elle devrait être en début de ligne droite. Juste après le premier virage, juste après le deuxième virage, mais elle a rien à foutre là, en fait, cette pénalité. Ça a été pareil à ce Gran Turismo Sport, hein. Je pensais la même chose. Mais ils l'ont toujours foutu là, et je trouve ça dommage. Dites-moi, voilà, qui est en tort ou pas. J'ai eu quelques dégâts, mais voilà, avec la Mercedes, j'ai l'impression que je peux pas faire mieux. C'est dommage, parce que c'est une course qui me plaît, Red Bull, vous savez très bien, j'ai toujours fait des bons résultats dessus. Donc voilà, dommage. N'oubliez pas de commenter, surtout, de vous abonner, de liker et de venir me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao tout. Awesome.